Eh bien, bonjour tout le monde, chers galaxiens, chers galaxiennes, soyez le bienvenu pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui pour l'épisode numéro 7 sur Far Cry 4, on est toujours sur Xbox One, j'espère vraiment que vous êtes chaud patate parce que moi, j'avais énormément envie, les amis, vous ne pouvez pas savoir, de continuer ce jeu parce que je l'aime énormément. Allez, on y va, donc on a une nouvelle mission, les amis, ici au temple, du coup, donc on va continuer. Alors, autant on a beaucoup de missions annexes, mais on a aussi des missions solo et un let's play, les amis, je vous le rappelle, c'est les missions principales et les missions annexes, je les fais en live. Voilà, allons-y, interagir, let's go. Alors, merde, Nourk dit merde, que se passe-t-il derrière cette porte? Les animaux, enfin, il sera utile. Tu dois tuer Paul. Tu dois le faire maintenant. Il rentre chez lui. Tu ramènes ma famille et je te les donne tous. Yuma, Pagan, je t'offre leur tête. Chut, tout va bien. Non, ça ne va pas. Il tient ma famille. Ça ne va pas du tout. Il faut que tu les sauves. Paul va donner une énorme fête d'adieu en son honneur chez lui. Il sera vulnérable. Il aime faire venir sa viande d'un village pas loin. C'est comme ça que tu entreras. Quand tu seras là-bas, faufile-toi dans la salle d'interrogatoire. Il sera moins sur ses gardes. D'accord, donc il faut que je me faufile. J'ai tout compris. Ce n'est pas une mission pour moi, voilà ce que j'ai compris. Allez, cité de la douleur. Donc, nouvelle mission, mesdames et messieurs, infiltrer l'entrepôt. Oui, j'ai bien compris que c'était une mission d'infiltration. Donc, on va devoir se faire discretos. Les amis, ce n'est pas du tout dans mes habitudes, mais on va faire ce qu'il faut. Alors, un petit trésor, attendez. Je prends d'abord, pour commencer, le petit trésor. Apparemment, on a l'engin volant. Alors, au niveau des compétences, regardons un petit peu ce qu'on a. J'ai que 2 points de compétences. Moi, ce qui m'intéresserait, ce serait plutôt le côté éléphant. Là, je n'ai plus assez. On n'a pas assez de points pour prendre des améliorations. Donc, on va attendre qu'on ait 4 points pour augmenter les sorts. De soins de 6 barres. Quoi qu'on n'a pas encore, ça sert à rien vu qu'on n'a pas encore 6 barres de santé. Voilà. Alors, au niveau de la carte, les amis, nous avons débloqué l'entière, en fait, la partie sud en entier, tout simplement. Je ne sais pas si je vous l'ai montré, il me semble que oui, à l'épisode d'avant, ou peut-être pas, donc je vous le remontre. Voilà, au moins comme ça, on est sûr. Et donc, on va aller jusqu'au prochain lieu de mission, c'est tout en bas, donc écoutez, on peut se diriger vers la terrasse et Tekira, histoire d'aller un petit peu plus vite, parce que sinon, si on y va en voiture ou à pied, ou même avec la machine volante, ça risque d'être un petit peu long. Heureusement que j'ai récupéré les avant-postes, parce que selon les missions, on nous déplace au nord de la carte, au sud de la carte et tout, donc mieux vaut, les amis, avoir bien préparer le terrain, j'ai envie de dire. Allons-y, let's go. Et non, on n'est pas sur farming, pas le terrain de farming, mais... Alors par contre, maintenant, je vous dis quand même une petite chose. Donc là, on a récupéré des saphirs, ce qui nous apporte 13 000, plus de 13 000 quand même, c'est super important. Ah, je vois qu'il y a des herbes. Je vais choper, les amis, les plantes. Les plantes, c'est pas des herbes. Hein, non, je ne fume pas, ce sont des plantes, les amis, de santé. Je les récupère parce que c'est super important après, surtout quand on va en mission solo, parce que les missions sont pas forcément faciles dans ce Far Cry 4, vous allez me dire pas plus dur que dans les autres Far Cry, oui je suis d'accord avec vous, mais quand même faut s'accrocher, ça dépend des missions. Alors il y a également Greg, je te fais un petit coucou mon Greg, je sais que tu regardes cette vidéo, qui m'a dit que la mission Shangri-La était très intéressante à faire, donc je pense qu'on la fera en vidéo, je tiens à la capturer en HD, mais on le fera les amis sûrement en bonus après les missions principales. Voilà, Shangri-La, donc c'est les missions, je vous montrerai rapidement, c'est les missions secondaires avec, alors c'est pas Y, non. Attendez, c'est quel truc déjà? Ah mais vu qu'on est en mission, on peut pas le voir. Hein, mais voilà, bon, je vous le dis, c'est les dédrogués qu'on a vus dans l'épisode précédent. Voilà. Donc là, c'est bon. Normalement, on a les 6 seringues, on est à fond. On est à fond la caisse. Donc la mission est à 300 mètres. Je ne trouve pas de véhicule, mais ce n'est pas grave. Alors, je vais vérifier qu'on ne puisse pas prendre, les amis, plus de trucs. Non, je vais pas garder. Hop, ben, voyons voir. Est-ce qu'on peut en avoir une 7ème? Il me semble que non, que c'est 6 maximum. Ouais, c'est 6 maxi. Alors là, on y est par contre, attention, parce que la zone d'infiltration, elle est là. Un éléphant, tiens, je pourrais choper l'éléphant pour y aller, mais non, c'est une infiltration. Pourquoi il s'excite, lui? Arrête de faire... On y est, attention.
D'accord. On est dans la zone, j'ai l'impression. On est à peine à 160 mètres. Tu dois entrer discrètement. C'est important. Paul est un rat et les rats quittent toujours un navire qui coule. Il ne doit se douter de rien jusqu'à la fin. Et n'oublie pas, AJ. Il donne une fête, alors trouve où il prend ses victimes et infiltre-toi avec eux. D'accord, donc tu es en train de me dire qu'il faut que je m'infiltre dans ce truc. Mais dites-moi, est-ce qu'il y a des gardes? Est-ce qu'il y a des... Et ouais, il y a des gens. Donc ça veut dire que je vais devoir employer le sniper. L'arc aussi pas mal sûrement. Ouais. Ah, ça va être compliqué. Franchement, ça va être très compliqué. On va devoir se la jouer. Et vraiment sans se faire repérer. Là, c'est vraiment pas un type de mission pour moi. Vous me connaissez maintenant. Je suis quand même plutôt dans le style bourrinage. Voilà, je tiens à le dire quand même, histoire que ce soit clair. Alors lui, déjà, je vais me le faire. Pour commencer, on va se faire, les amis, un petit snipe. J'espère que vous êtes chaud. Alors, tac, je zoome un petit peu. Bam, headshot. Et d'un, tranquille. Et là, j'ai l'habitude de recharger dès que je tire une balle. C'est pas drôle. Donc ok, alors le truc c'est que je risque de me faire repérer. Je sais pas s'il y a du monde dans la forêt. Normalement il n'y a pas de monde dans la forêt, mais par contre le plus dur en fait quand on s'infiltre quelque part dans un avant-poste ou autre, c'est quand il y a des chasseurs. Ça c'est terrible. Quand il y a des chasseurs c'est super chaud. Le mieux ce serait de pas du tout alerter les gardes. Mais ça va être très compliqué. Donc attendez, regardons s'il y a quelqu'un d'autre là-bas. Forcément lui il va le voir. Quoique j'ai l'impression qu'ils sont que 3. Alors attendez, on va essayer de les cibler tranquillement. J'ai l'impression qu'il en reste que 2. Ça paraît étonnant, ça. Ça me paraît pas tant, je ne sais pas vous. Donc ouais, je vais tuer le bonhomme ici. Ah, il bouge. Il bouge, c'est pas cool, hein. Il bouge. Ouais, donc pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'y en a que 3. Donc s'il n'y en a que 3, ça devrait le faire plutôt pas mal, je pense. Ça devrait plutôt pas mal le faire. Alors, on se concentre bien. Surtout, je zoome bien, je fais gaffe. Arrêtez de bouger, les mecs. On va attendre qu'ils arrêtent de bouger, hein. Et enfin, voilà, c'est bon. C'était propre, les amis. C'était très propre. J'ai l'impression qu'il n'y a personne d'autre. Ce serait sympa qu'il n'y en ait pas un autre quand même. J'en avais vu que 3 personnellement. Après, est-ce qu'il y en a un qui se planque dans la maison? Bon, c'est pas tout à fait impossible. On va voir. Alors, heureusement que j'ai le sniper. Je vais me choper l'arc. Si jamais je dois faire du combat un petit peu plus rapproché. Ah, il y en a un là-bas, regardez. Enculé. Meurs. Ah merde. Ah mais faut carrément pas que je fasse repérer quoi. Ouais, je me suis trompé. Mais même on peut être n'importe où, on peut se cacher dans les feuillages et tout, c'est pareil, on se fait repérer. C'est terrible. Bon mais c'est moi, je l'ai très mal joué. J'avais pas vu, je pensais vraiment que tout le monde était mort. C'est pas grave, alors on va pas se jouer comme ça. Mais on est bien obligé par contre de les tuer, hein, les amis. Et du coup faut que je me retape la mission. Paul est un rat et les rats quittent toujours un navire qui coule. Il ne doit se douter de rien jusqu'à la fin. Et n'oublie pas, AJ. Il donne une fête, alors trouve où il prend ses victimes et infiltre-toi avec eux. Allez, tranquille, on y va. On va aller, les amis. On va retourner un petit peu en arrière. Un tout petit peu, espérons que je me fasse pas repérer. Je vais traverser la route. Normalement, je devrais pas me faire repérer ici. Voilà, tranquille. On va passer par derrière, la première fois où j'étais passé. Comme ceci. Alors, je vous annonce qu'on a eu un petit bug. Hein, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, un petit bug noir. Je sais pas si je vous l'aurais montré pendant la capture. Il était assez joli, j'ai envie de dire. Même très joli. Même magnifique. Hein. Alors, attendez. On va y aller doucement, parce que derrière, c'est possible qu'il y ait des monsieur pas gentils. Regardons. Pour l'instant, je vois personne ici. Au pire, regardez, il y a un truc pour monter, là. Alors, attendez, ce qu'on va faire... Apparemment, on peut monter par là. Je peux grimper, apparemment. D'après ce qu'on voit... Ah, y'a un monsieur, tiens. Allez, toi t'es mort. Exécution par haut, ça me permet de vous montrer un petit peu les capacités qu'on a eues.
Alors attention. Lui, je l'ai vu. Annule la flèche. On pourrait pas passer par derrière, je suis pas convaincu, hein. Putain, avance pas trop. C'est en Dax là. Allez, headshot. Toi t'y es. Avec tes lancers de couteau, tu m'inquiétais un petit peu, je t'avouerai. Montez discrètement dans le camion. Ok. Montez discrètement dans le camion. J'entre, tranquille. Voilà. Voilà, ça c'est de la filtration, les mecs. Magnifique. Ça balle. Je vais m'occuper de Paul. Prends-le vivant si tu peux, mon frère. Je veux qu'il paie pour ce qu'il a fait aux pirates. En fait, beaucoup de gens disparaissent dans les villages du coin. Alors si tu trouves des survivants, aide-les à s'enfuir. Mais fais-le discrètement. D'accord, cité de la douleur. Parfait, montez discrètement dans le camion. Donc ça c'est fait. Libérez les esclaves. On y va. Oh putain, attention! Voilà, mission vraiment les amis d'infiltration. Ça va être chaud. Ah, on peut reprendre des munitions ici, ça c'est parfait. J'ai à reprendre une munition de sniper. Alors regardons un petit peu, on a des lumières partout, ça c'est dangereux. Ça a l'air intéressant mine de rien, j'aime bien les jeux d'infiltration. Hein. Enfin j'aime les jeux d'infiltration de plus en plus. C'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé les jeux, j'aimais pas trop tout ce qui était Splinter Cell et compagnie. Et j'aime de plus en plus. Alors attendez. Voyons voir, on a les esclaves. Ouais, ok. Redonne-moi les munes. Allez, mettez-vous tous les deux là, on va faire une double. Pas bien malin l'IA quand même là. Cherchez bien. Celui qui a fait ça peut pas être bien loin. Entendu. Que tout le monde garde bien les yeux ouverts. On sait d'où ça venait. Maintenant, trouvez-le. Ouvrez l'œil. Je vais monter. Il est parti. Thank you.
ici. Et bam, prends ça toi aussi. Alors maintenant, qui c'est qui reste? Je pense avoir tué tout le monde, mais je ne prends pas de risque, je vérifie. Ah, c'est vachement compliqué comme situation, franchement, dès qu'il faut la jouer en infiltration, les amis, c'est vraiment pas mon fort. Normalement, ils doivent être tous morts. J'entends du bruit, mais ça a l'air bon. Ah, j'entends du bruit, attendez. Ils sont peut-être de l'autre côté, hein. Ouais, donc on va commencer... En plus, ah mais d'accord, ça ne servait à rien de venir là. Ça ne servait absolument à rien, fallait passer par derrière. Ok, je suis bête. Je suis très bête, les amis. Fallait passer par là, juste libérer les otages, en fait. En fait, ce sont des missions plutôt simples. Qui, on dirait, sont compliquées. Mais pas vraiment. Que lui il m'a bien repéré là-bas. Pardon monsieur. Je t'ai eu. Alors je vérifie qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre. Ça a l'air d'aller. Je rentre ici. Attendez, on se calme. C'est vraiment de l'infiltration là. Bonjour, je te fouille, même si ça sert à rien. Ah si, j'ai eu un contraceptif quand même. Toi, tu meurs là-bas, en haut de la tour. Alors attention, on va se méfier maintenant. Je pense qu'il faut monter là-haut. Hein. Même pas. J'ai entendu des gens. Attends. Je crois bien que j'ai vu des gens, ils m'ont repéré là. Je crois bien qu'il y a des gens qui m'ont repéré. Ouais. On va le chercher. Je crois bien qu'ils m'ont repéré, les mecs. Attendez. Attendez, on se calme. Restons calmes. Surtout ne pas s'exciter. Ils sont où? Est-ce que tu te caches? Il n'y a peut-être pas qu'un seul mec. D'accord, ils sont en haut, hein. D'accord. Je suis là, les filles. Vous êtes libre, barrez-vous. Je te détache la première déjà. Ensuite. C'est vraiment compliqué, hein. C'est une mission assez réussie, assez linéaire aussi, mais compliquée. Après, il y a des esclaves là-bas, il y a des esclaves partout en fait. Et des mecs là-bas aussi, attendez. Des mecs là-bas, on va essayer de... Déjà de rester en vie, ce sera pas mal. Attendez, on passera par-dessus, bordel. Restons calmes, les amis, restons très calmes. Déjà, il y a des esclaves là-bas, attendez. Je ne cache pas les corps, j'avoue que c'est pas très réaliste. Et j'avoue surtout que ça ne m'aide pas, je le sais, j'en suis conscient, les amis, vous en faites pas. Ah, je crois qu'il y en a un qui m'a repéré.
Il y en a un qui m'a repéré, les mecs. Restons calmes, mes amis, restons calmes. Alors attendez, ouais, ils sont là, ils arrivent. Au bordel, ils arrivent, les mecs. Ils vont arriver, je le sens pas là. Je le sens pas, je vais avoir du mal, ils vont prévenir et on va avoir la mission échouée là. Alors attendez. Ok. On repart, les amis, on repart. On tente de repartir. Lui, je l'ai vu. Salut, bonhomme. Allez, on repart vite de l'autre côté maintenant. Allez, tranquille. Putain, mission vachement compliquée. En plus, on ne cible pas... Elle m'a fait peur, elle, bordel. T'aurais pas pu me faire des appels de phare, au moins? Je sais pas. Quelque chose. Pour me dire que tu es là. Je crois bien qu'ils m'ont repéré, là, encore. Eh, merde, les mecs. C'est mort. Ah voilà, forcément, c'est mort. C'est trop dur. Alors, est-ce qu'il faut tout refaire? Est-ce que les deux qu'on a libérés comptent pour du beurre? Je pense que c'est très probable. Mesdames et messieurs. Voyons voir. Oh mon dieu, faut tout refaire. Oh mon dieu. Faut absolument tout refaire. Mais maintenant, je sais qu'il faut... je sais à peu près comment il faut faire maintenant. C'est l'avantage. Maintenant, je sais qu'on passe par là. Qu'on prend les munes. Qu'on longe le truc. Ouais, en gros, faut... Vraiment, faut aller tout doucement. Au pire, on va... Ah mais non, regardez, libéré 2 sur 3. C'est bon, ils m'ont compté quand même... Quand même les deux, mais la seule différence... Bah, c'est qu'on commence quand même du début. En gros, c'est ça, quoi. Ah, c'est bon, apparemment, on peut y aller. Je grimpe tranquille. Attention, donc il restera. Oh, attendez, j'en ai vu un là-bas. On l'a repéré, les amis. On l'a repéré tranquille. On sait qu'il est là, donc on fait gaffe, on se méfie. Salut, bonhomme. Je sais qu'il faudrait que je cache le corps, mais honnêtement. Honnêtement, ça m'étonnerait qu'il y ait grand monde qui passe ici. Hein. Et là, on y est de toute façon. Ouais, c'est bon. En tout cas, c'est très sympa comme mission. Hein. Faut juste. Putain. Enfoiré, va. Enfoiré qui grimpait à la tour. Ok, j'en ai vu un là-dedans aussi. Pardon, bonhomme. Laisse-la tranquille. Laisse-le tranquille, du moins. Et je le détache. Je le détache. D'accord, ça marche pas. Allez, partez d'ici. Allez, détachez. Partez. Et planquez-vous. Ça balle. J'ai libéré des gens. Bien. Chaque personne sauvée est un nouveau soldat pour la cause, mon frère. Mais finis ce que t'es venu faire. Entrez dans le bureau de Deux-Pleur. Ok, je vois. Faut aller entrer dans le bureau de Deux-Pleur. Tais-toi un peu. Reste tranquille, Coco.
rester tranquille. C'est bon, il reste plus personne là, ouais. Je préfère vérifier quand même. Sait-on jamais? Alors, est-ce que je peux rentrer dans le bâtiment? Attendez. Là, il y a du monde, les amis. Tranquille, on va bouger un peu. Hein. Je pense qu'on n'est pas obligé de les alerter, quoi. Allez, ok. On bouge, les mecs. Ouais, je me suis tiré. T'as vu ça? Je me casse. Il y a du monde, là, par contre. Vite, monte. Voilà, ils descendent tous, apparemment. Bizarre ça d'ailleurs qu'ils descendent tous. C'est bizarre, ouais. D'accord, ça sert à rien. Ouais, alors là franchement, comment je vais faire pour passer? J'en sais rien du tout. Oula, il y en a un qui arrive là à toute vitesse. D'accord. Et je me déplace vite. On se dépêche, tranquille. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Allez, tranquille, on arrive les amis au bon bâtiment. Avec un joli petit dessin, ça fait plaisir. À mon avis, on doit passer par derrière. On va voir. Je sais pas. Ah ouais, il y a une échelle, on va attendre. Il y a une échelle. Ah d'accord, par contre, ça veut pas monter. C'est normal ça? Ah d'accord. Je ne peux pas monter apparemment. Hein. Grimper, ah si, il fallait grimper par là. Bizarre qu'on ne puisse pas monter sur des bidons et ensuite grimper. Hein. C'est quand même... assez bizarre. Alors mission assez calme, excusez-moi si je parle pas trop, mais je suis vraiment très concentré les amis dans mon jeu, dans mon gameplay. C'est d'accord. On a un petit coffre ici, coffre bien sympatoche je suppose. Cuillère, fourchette, allez 7000. Magnifique, c'est pas grand chose au final. Et là on y est les amis. Voilà. Trouver le bureau de Doppler. Donc on y est, waouh mais c'est le boucher le mec. Le mec c'est le boucher quoi. Nourrir les cochons. Pensez à bien fouiller les corps pour chercher des bijoux et des souvenirs avant de les donner à manger aux cochons. Le boss veut que tous les objets de valeur soient nettoyés et stockés. D'accord. En gros, faut fouiller les cochons. Ok, ok. Donc là, il n'y a rien. Ah d'accord, faut fouiller. C'est quoi qu'ils appellent fouiller les cochons? C'est quoi qu'ils appellent fouiller les cochons? C'est juste ça que je veux savoir, en fait. Interagir. Salut Ashley! Vraiment? Oh mais c'est génial! C'est bien, tu vas bientôt aller te coucher ma chérie? Tu t'es brossé les dents pendant au moins 10 secondes? C'est bien.
bien, ma fille. Tu feras un gros bisou à ta maman pour moi? Tu sais qu'elle se sent seule quand je ne suis pas là. Et c'est toi la maîtresse de maison. Bien sûr, mais papa doit aller travailler et je... Un cadeau? Bien sûr, trésor, qu'est-ce que tu veux? Une bague? Oh non, non, je n'ai rien vu de vraiment bien pour toi, ma chérie. Désolé, tu veux pas autre chose? Un collier. Oh, un collier en or. Eh bien, tu sais, je vois exactement ce qu'il te faut. Oui, bien sûr qu'il brille. Bon, écoute, papa doit travailler, d'accord? Alors je vais y aller. Oui, je t'aime aussi. Oui, bisous, bisous, dors bien et fais beau rêve. D'accord, bisous, ma puce. Je m'excuse pour tout ça. Ma fille, t'es venue à l'heure et moi, je t'ai fait attendre. Je vais pas te manquer de respect. What? Que s'est-il passé en fait là? J'ai entendu des coups de feu et d'un coup ça s'arrête temps de chargement. Trouver le bureau de Doppler. Quoi? Mais il s'est passé quoi en fait? Mais c'est quoi ces bugs en fait? Mais attends, faudrait m'expliquer là. J'ai pas compris. Faut qu'on rejoue la scène? Parce qu'il y a eu un bug, il y a eu quelque chose, je comprends pas. Fallait faire quelque chose peut-être? Je vais t'aider. Fallait le tuer par derrière peut-être? On me l'a pas dit. En règle générale, on nous le dit. Et maintenant, faut revivre la scène? Mais attendez. Allez, va-t'en. C'est pas possible. C'est pas Dieu possible dans le monde du jeu vidéo, ça, aujourd'hui, 2014. Presque 2015. Faut peut-être lui passer par derrière alors à un moment. C'est pas impossible, mais moi je l'écoutais parler. Les mecs, je l'écoutais parler. Donc là, on met le petit sac. Alors le pire en tout ça, c'est qu'on ne peut pas passer la cinématique. Donc, ça veut dire que si on ne peut pas passer la cinématique, ce n'est pas une simple cinématique. Qu'on peut lui passer par derrière à un moment peut-être. Retirer le truc et le tuer. Je sais pas. Ou pas. Ou alors faut re-attendre le temps de la cinématique, il y a eu juste un bug. Salut Ashley. Ça me paraît étonnant quand même parce qu'on dirait vraiment une cinématique, hein. Vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'on dirait vraiment une cinématique quoi. C'est bien. Et il y a eu un bug, je suis mort. Tu t'es brossé les dents. Je comprends pas trop là. C'est le deuxième bug de la vidéo que j'ai déjà, hein. Ça fait... Ça commence à faire un peu beaucoup, je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais ça commence à faire un petit peu beaucoup au niveau des bugs, hein. Sur Far Cry 4. Toi, la maîtresse de maison. J'avais pas du tout de bug comme ça sur Far Cry 3, sûr, quoi. Mais papa doit aller travailler et j'avais pas du tout de bug comme ça. C'est vraiment très bizarre. Qu'est-ce que tu veux? Oui, on sait qu'elle veut un collier en or. On l'a déjà vécu. Bah, t'as récupéré une bague, mais c'est vrai qu'elle est pas très jolie sur le monsieur. Hein. Sur le monsieur, sur la madame. Je pense que c'est un monsieur. Un collier. Oh, un collier en or. Eh bien, donc j'espère en tout cas que ça va fonctionner là, que ça va pas me rebugger une deuxième fois parce que ça paraît quand même bizarre, les amis, le bug qu'on vient d'avoir. Écoute, papa doit travailler, d'accord ? Le mec arrive et on se fait défoncer en fait. Oui, je t'aime aussi. Je comprends pas trop là. Oui. Ouais, je t'aime aussi. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Dors bien et fais de beaux rêves. Bisous, ma puce. C'est d'accord. Bon alors. Excuse pour tout. J'espère que ça va pas rebugger, sinon je pète un câble. T'es venu à l'heure et moi je t'ai fait attendre. Je ne voulais pas. D'accord. De respect. D'accord. Ça fonctionne. Je préfère. Trouver le porté de pleurs à l'extérieur. Ah voilà. Donc là, ça a fonctionné. Alors pourquoi on a eu un bug comme ça avant? Bah pareil, le coup d'avant, les amis, j'avais eu un bug assez étrange, un écran noir complètement quand j'ai voulu monter dans le camion la première fois. Donc c'est pour ça qu'il y aurait eu certaines coupures dans l'épisode. Je ne comprends pas. Voilà, je vous avouerai que je ne comprends pas pourquoi ce jeu est autant buggé. Allez, on avance. Ils sont fous, je veux pas cette arme-là. Si, d'accord, faut l'arme de poing obligatoirement. Ils sont fous. Sérieux, ils sont fous. Allez. Je lâche le corps, allez hop. Tac. Joli. Donc les cochons, du coup, ils sont où vu qu'on m'a dit qu'il fallait que je fouille les cochons? On verra bien, écoutez, ils doivent être par là, hein.
Alors attendez, fouillez. Je fouille tout ça. Je fouille les corps. Bracelet en argent. Ah, il y en a beaucoup à fouiller du coup, hein. Y a beaucoup de corps. Je fouille tous les corps, mais du coup, ce ne sont pas des cochons. Ce ne sont pas des cochons à fouiller. Ah, attendez. Je peux voir, est-ce qu'on peut... Je peux... Ouais, je peux les dépecer, ok, les cochons. Voilà, c'est ce que je voulais. Le but était de le dépecer. Je sais pas à quoi ça va me servir. Il est enfermé, l'autre, hein. Non, c'est bon. D'accord. On a encore un truc à fouiller, attendez. En fait, c'était pas ici qu'il fallait l'envoyer. Calme-toi, mon grand. Donc non, c'était pas ici qu'il fallait l'envoyer, alors. Ah, il fallait l'envoyer carrément plus loin. Ok, je me disais aussi. Du coup, j'ai que des armes qui font du bruit, les mecs. J'ai que le lance-boule. Jusqu'au véhicule. Ouais, c'est bien tout ça, mais... Du coup, ils ont déclenché l'alarme. Ah, attendez. Faut que je lâche le corps. Je vais lâcher le corps. Je vais les tuer. Voilà, c'est bon, on peut y aller en mode bourrin. On peut se faire du bien. Ok. Ok, là on peut foncer dans le lard. Ça fait du bien. Voilà, tranquille. C'est bon les filles, vous me laissez tranquille? Ah, ça arrive, ça arrive. Oh merde. Allez, tranquille. Qu'est-ce que j'adore ma STG les amis. Qu'est-ce que j'adore ma STG. Allez, je vais récupérer le corps. Je pense qu'on va être tranquille maintenant. Au pire j'ai le lance-boule. Oh, pas encore fini, putain. Franchement les mecs. Allez dégage. Laisse-moi en paix. J'avance avec mon corps. On peut pas aller bien vite hein. Remarquez. Oh, attendez, il y avait du bruit là-bas. J'entends des bruits bizarres. Donc je vais rester en haut un maximum. Ah, laissez-moi tranquille, je vais faire de la bouillie. Je vais en faire de la bouillie, je vous jure. Dégagez. Bordel de merde. Ah merde, ça ricoche. Les filles. Laisse-moi en paix, voyons. Je veux juste amener mon corps à destination. C'est tout ce que je veux. C'est quand même dingue, ça. Je peux même pas amener un corps à destination, quoi. C'est dingue. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de trésors à récupérer. Bon, je pense que peut-être on pourra le récupérer après, hein. Je l'espère. Allez, je me soigne. Ok, bon. Ok, vous laissez la jouer comme ça. Bon, on va se jouer comme ça alors. Merde, la grugre. Attendez. Tranquille, il en reste plus qu'un. Allez, tu meurs. Je pense que c'est bon maintenant. C'est quand même vachement tendax, hein, les mecs. Hein. Non, maintiens pour le prendre. Voilà. Quelques petits bugs de temps en temps. Bon, c'est pas trop méchant, mais... C'est vrai que bon. Attends, on peut fouiller le corps en même temps qu'on tient un corps. Ah non. D'accord. Impression que non. Je me disais aussi. C'est un peu trop beau. Oula. On passe par là. Hop, on descend, ça va. Tranquille. Et jusqu'à la voiture en fait. Ouais, je suppose qu'après on va pouvoir choper la voiture. Je mets dans le coffre. Tranquille.
Alors ouais, mission plutôt sympa, un peu compliquée. C'est vrai, un peu compliqué à prendre en main parce que c'est la première vraie mission d'infiltration. Les amis du jeu, la vraie de vraie. Voilà, la vraie mission d'infiltration, quoi. Allez, reste tranquille, rentre la main. Et on s'en va. Allez, on se casse. Au sentier d'or, je ramène le corps. On se dépêche, on va voir sûrement les amis des hommes derrière nous. Allez, on s'en va. Eh oui, quelqu'un nous prend en charge, j'en étais sûr. Nour te passe le bonjour. Viens me voir. Tu vas recevoir un coup de boulet dans le cul. Tu vas comprendre. Ah, mais ils le veulent, hein, leur coup de boulet. Ils le veulent. Hein. Viens, j'arrive. Je vais te défoncer. Et c'est marrant, il fuit maintenant. J'ai l'impression qu'il le sait. J'ai l'impression qu'il le sait qu'il va se prendre un coup de boulet dans les fesses. Oh, c'est quoi tout ça? Oula, des loups. Une troupe de loups, les mecs. Une troupe de loups, moi je ne m'arrête pas. Je vous dis direct, je ne m'arrête pas pour ça. Oh, il y a des méchants aussi là. C'est ouf ça. Il y a des gens qui sont morts sur la route. C'est pas comment ils ont fait, mais ils sont morts. Bizarrement. Il y a une sacrée bonne musique dans la voiture là. Sacrée bonne musique. Hein. C'est un peu bizarre quand même. Des oiseaux, d'accord. Il y a des animaux partout sur la route. Ah, en tout cas, ça fait du bien de rerouler. Parce que moi, c'est vrai que j'aime bien. Ah, d'accord. En fait, ils se foutent en l'air tout seuls, les gars. Moi, je te fais péter comme ça, au moins, je suis sûr que t'es mort. Voilà. Moi, comme ça, j'en suis sûr et certain. Allez, je pense qu'on y est. Nickel. Il est vivant? Si tu l'avais tué, je t'en aurais pas voulu. Ouais, je suis en vie, bouffeur de curry de merde. Montrez-lui son nouveau chez lui. Qui a fait ça? Oh, putain de sauvage! Laissez-moi! Attendez, j'ai mon téléphone! Et Jay, c'est mon téléphone dans ma poche arrière! J'ai besoin de mon téléphone, mec! Et Jay, s'il te plaît! S'il te plaît, j'ai besoin de mon téléphone! Lâchez-moi, bande d'enculeur de singe! Ashley, chérie, papa est là! Merci, AJ. T'as vraiment fait le bon choix. On va s'occuper de Paul. On a un coin parfait pour lui. C'est d'accord, et ben je suis content d'avoir fait le bon choix. Voilà. Cité de la douleur, mission terminée, mesdames et messieurs. Alors, succès déroulé. Putain, elle était dure, hein. Et de 1. Plusieurs armes puissantes sont maintenant disponibles au comptoir. Moi, profiter de la situation. Mais pourquoi donc? Alors, mission, oui, plutôt très très longue, hein, je vous l'avouerai. Donc, on a augmenté, on a 3 points de compétences. Alors, est-ce que ça suffit pour se choper? Oui, éponge à balle. Exécution et dissimulation. Et exécution et pillage. D'accord, il faut... Bah, il faut lequel alors? Exécution et pillage. Exécution et pillage. C'est-à-dire, donc pour l'instant, on peut pas le prendre. Bref, de toute façon, faut attendre qu'on en ait 4, comme ça au moins, on pourra avoir... le niveau supplémentaire. Bref, donc au niveau de la progression, les amis, regardez, nous sommes à 15 missions sur 32, donc ça progresse tranquillement. Hein. Évidemment, ça progresse bien tranquillement. On va faire la prochaine mission, nous. Hein. Épisode peut-être un peu long, je sais pas vous ce que vous en pensez. Mais on va faire la prochaine mission, s'il y en a une, évidemment. Donc pas Y, parce que c'est Yogi et Reggie. Donc quelle sera la prochaine mission? Bonne question. Ah si, on a la mission du Sentier d'Or ici. Donc mission de campagne, allons-y. Donc on va se diriger... ouais, on va y aller. Alors je vais y aller à pied, hein. Je vais prendre un véhicule, évidemment. Tac, et je vais d'ailleurs choper, les amis, l'autre petite, j'allais dire seringue, l'autre plante qui doit être par là, voilà. Je veux la plante et on va faire enfin, est affaiblie, la forteresse de Doppler est affaiblie. Ah oui, c'est vrai, alors en fait, je sais pas si je vous l'ai dit, vous pouvez aller regarder un stream sur Twitch que j'ai effectué avec Greg et tous les copains, tout simplement, et tous les subscribers et tout, que j'ai... Aïe. J'ai bien aimé là. Je l'ai fait exploser. C'était magnifique. Allez, conduite automatique. Quoi qu'il en soit, j'étais là avec Doppler, ou plutôt Paul Harmon. Il m'a invité à son domicile, à rencontrer sa famille, à voir l'autre côté.
C'était incroyable de voir l'homme derrière l'homme. Paul, le père, le mari, aimant. J'étais aussi jaloux qu'heureux pour lui. Nous sommes allés à l'école de sa fille pour voir un récital. Il y avait sa petite chérie, Ashley, la lumière de sa vie. Et je pouvais voir les larmes dans ses yeux. Il était si fier, si plein d'amour. Ça m'a vraiment fait réfléchir. Et si j'avais suivi Ishwari? Et si c'était toi, trébuchant maladroitement sur un récital de piano, que j'avais regardé les larmes aux yeux à travers un caméscope pour capturer chaque précieux petit moment? On découvre ça lorsqu'il est trop tard, et Jay, toujours, quand ils sont partis. Ah, quel beau discours! Quel magnifique discours, donc du coup, de Pagadmin. Avec la voix, vous avez remarqué, du monsieur dans Castle. Hein, pour ceux qui regardent France 2, hein, la série policière. Plutôt pas mal, hein, d'ailleurs. Plutôt sympatoche. J'aime bien cette voix off. Hein. Je la trouve vraiment une voix particulière. Il fait également beaucoup d'autres voix. Et franchement, c'est une voix off que j'apprécie énormément. Allez, donc, prochaine mission, mes amis, ce sera le Sentier d'Or. J'espère que vous êtes chauds. Je vais descendre de la voiture. On va finir à pied, hein, tout simplement. Allons-y, je veux passer par là. Tac, 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 tac. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Il y a beaucoup d'armes ici. Donc, prochaine mission, les amis. Il faut monter. Il faut aller là-haut, du coup. Voilà, voilà, voilà. Hop, on va faire la mission suivante. C'est dans la maison. Ouais, c'est là. Amita. Let's go. Est-ce que ça va? Tu crois que c'est facile? Je suis la première femme dans le Sentier d'Or. Celle qui veut le changement, alors que tous les autres parlent dans mon dos en prétendant qu'on détruit leur héritage. Je suis une guerrière, une Kirati, tout comme eux, mais eux, ils voient juste une femme. Tu es quelqu'un d'intelligent, AJ. Dis-moi, est-ce que j'ai la carrure pour ça? Sabal, il a tous ses partisans, et moi je me demande juste, ils sont aveugles? Ou bien, c'est moi? C'est moi qui comprends rien. Non, le doute, c'est pour les géniards. Enfin bref. Tu te souviens de la plantation de thé? Le pavot, on l'a expédié à une vieille usine en briques où il sera traité. Sabal veut la détruire. Il est tellement sûr de lui. Mais tu préfères t'en emparer? Exactement. C'est tout ce qu'il nous faut pour construire notre avenir, pendant qu'il reste dans le passé. Quand je dis oui, il dit non. Mais j'espère que toi, tu sauras faire le bon choix. Ils vont encore me demander, choisis-moi, toi choisis-moi. Et voilà, choisissez la mission d'Amita ou de Sabal. Toujours pareil. Ça, c'est chiant. C'est ce qu'on appelle l'élu du pouvoir, un petit peu. Il me semble que c'est ça, hein. Si je dis pas de bêtises. Hein. Donc, voyons voir un petit peu le trésor. Alors, de toute façon, vu que je varie un petit peu entre les deux, cette fois-ci, vu que j'aime bien Amita, je vais prendre Amita, les amis, entre nous. Entre nous, j'aime beaucoup Amita. D'accord. Mais non, mais attendez, non, c'est pas ma faute, il est allé automatiquement sur la truc. Mais franchement, ils abusent, ils quittent, je quitte pas le truc de mission. Je suis allé automatiquement sur la tyrolienne. Mais non, c'est abusé là, franchement. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouvais ça vraiment grave là. Allez, donc du coup, je vais retourner les amis ici. Est-ce que ça va? Oh non, faut le revoir. Oh putain, mais abusez les filles. Tu crois que c'est facile? Pourquoi on ne peut pas passer les cinématiques dans ce putain de jeu? Sérieusement, les mecs. Alors que tous les autres parlent. Trouvez ça normal, vous? En prétendant qu'on détruit leur héritage. Je suis une guerrière, une Kirati, tout comme eux, mais eux, ils voient juste une femme. Tu es quelqu'un d'intelligent, AJ. Dis-moi, est-ce que j'ai la carrure pour ça? Sabal, il a tous ses partisans, et moi je me demande juste, ils sont aveugles? Ou bien, c'est moi? C'est moi qui comprends rien. Non, le doute, c'est pour les géniards. Enfin bref. Tu te souviens de la plantation de thé? Le pavot, on l'a expédié à une vieille usine en briques où il sera traité. Sabal veut la détruire. Il est tellement sûr de lui. Mais tu préfères t'en emparer? Exactement. C'est tout ce qu'il nous faut pour construire notre avenir, pendant qu'il reste dans le passé. Quand je dis oui, il dit non. Mais j'espère que toi, tu sauras faire le bon choix. Ah,
là là, je ne sais pas trop quoi en penser du coup de tout ça, franchement. Je ne sais pas trop quoi en penser. Donc voyons voir un petit peu ce que me dit Sabal. Voyons voir. Bonjour Sabal. Écoutez la proposition. Écoutons. Alors. Sabal. Amita m'a parlé de l'usine de briques. Et je parie qu'elle t'a pleuré sur l'épaule. Est-ce qu'elle t'a raconté la triste histoire de la première femme du Sentier d'Or? Elle a essayé avec moi. Mais tu n'as pas marché, pas vrai, mon frère? Cette héroïne est un poison. C'est aussi simple que ça. Tue les hommes de Nour. Et détruis son usine. Fin de l'histoire. L'offre de Sabal me plaît un petit peu mieux. Alors Sabal veut que vous détruisiez l'usine en briques Rochamps pour empêcher que l'opium y soit traité. Allez, on va accepter encore une fois celle-ci. Parce qu'elle me plaît mieux. Alors, ramassez le sac d'explosifs. Hein. Au moins comme ça, ça va être une mission. Explosifs. Je sens que ça va être génial. Alors, je veux bien. Je veux. Chimie élémentaire. Ok, donc là, on va aller faire exploser un labo. Ça va être superbe. Retrouvez les rebelles au point de rendez-vous. D'accord. Alors, est-ce que je peux prendre cet engin-là ou pas? Je pense que oui, je pense que c'est fait pour. Allez, je monte à bord, les amis, on y va. J'espère que vous êtes chauds. Attention à la retombée, parce que par contre, je ne suis pas doué. Allez, on va maintenir bien droit. Restons en haut, ça me rappelle Far Cry 3, évidemment. Avec des environnements qui, effectivement, changent bien de Far Cry 3. On n'est pas dans un environnement exotique, hein, bien sûr. En tout cas, vraiment, le Far Cry 4 reste aussi très joli. Hein. Très joli, mais un petit peu différent, c'est vrai. Un petit peu différent. Wingsuit. Non, pas pour l'instant. On utilisera la wingsuit après. Tranquille. Donc là, on y va tout droit, hein, directement vers le point. Ce qu'il y a de bien, c'est que ça tient quand même pas mal de temps. Hein. On reste en l'air tranquillement. Alors après, je pourrai mettre la wingsuit. Comme ça, au moins, ça, je pense, on tombera un petit peu moins vite. Hein. Franchement. Allez, tranquille. Tourne pas trop, Galaxou. Wingsuit ou pas wingsuit? Pas encore, pas encore. Si, remarque. Wingsuit. Allez hop, wingsuit tranquille. Allez, on ralentit un petit peu parachute. Voilà. Parfait, c'est bon, j'ai bien maîtrisé l'atterrissage. C'est pas toujours évident avec la wingsuit. Hein. Donc j'ai acheté la wingsuit, je ne sais plus quand. Hein. Je peux pas vous dire quand j'ai acheté les trucs. C'est vrai que je joue pas mal en... C'est quoi ces bruits? Je joue pas mal en live. Du coup, c'est vrai que... pas tout vous présenter dans le let's play. Hein. Pouvez-vous bien le comprendre? Merci de le comprendre, c'est gentil. Mais un jour, quand j'aurai la fibre optique, quand j'aurai une bonne connexion, je ferai tout en live, n'est-ce pas, messieurs? Je ferai tout en live. Allez, donc faut tout faire péter, quoi. Si j'ai bien compris, il faut tout faire péter. Attends, on va repasser avec les armes, quand même. Hein. On va se prendre l'arc tranquille. Alors, est-ce qu'il faut les poser? Attends, mais y a personne, en fait, ici. Vous êtes sûr que c'est ici? Bonjour. Sabal m'a dit de t'attendre. On a tous les explosifs. Ah d'accord. Prends ce qu'il te faut et rejoins le Havildar sur la colline. Ah d'accord, mais je pensais que c'était ici le centre. Ok, parler au chef des rebelles, donc ça après. Ok, des bouteilles, on s'en fout. Donc là je vais prendre le quad. C'est à 68 mètres, ouais. C'est vraiment pas loin du tout. Limite, faut pas reprendre. Non, je vais pas reprendre le quad, je serais bête de faire ça. On va monter là-haut. Ouais, ouais. En même temps, je vais pas monter en bas. Hein. Voilà. Comme d'habitude. À chaque fois, je fais cette blague de merde, franchement. Chaque fois, je vais pas monter en bas. Bah oui, en même temps, c'est logique. Hein. Allez, parlez au chef des rebelles. Hein. Donc, les amis, il doit être juste ici. Hop. C'est toi, le Havildar. On va lui parler. Bonjour. Havildar, sergent. Comme tu veux. C'est un honneur, fils de Moret. Tu vois cette cheminée? Ah, c'est ça, d'accord. Je te soutiens pour la faire tomber. Ça devrait laisser un gros trou pour que tu puisses entrer. Je fais comment? C'est justement la question. Moi, je garderai les explosifs pour la cheminée et l'usine, et je prendrai les éléphants pour virer les treuils. Éclate-toi. D'accord, je vois. C'est-à-dire, tu veux qu'en gros j'utilise l'éléphant? Je sens que ça va être
énormissime. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Renfort, bah c'est déjà les renforts, superbe. Je suis foutu. Les mecs, je suis foutu. Les mecs, je suis mal. Ah d'accord, ils ont les trucs en plus. Allez, attaque. Voilà, joli. Attention. J'avais oublié. Oh putain. On va s'en aller un petit peu parce que là on a les mortiers du coup. Attendez, là, le chien. D'accord. Voilà, reste tranquille. Usine en briques Rochamps. Bah, je sais que c'est ça. Mais tout à l'heure que je suis là. Ils sont cons, eux. Oh putain, ils cassent tout, l'éléphant. C'est bon, ça. Alors, attendez. C'est moi à réfléchir. D'accord, l'éléphant qui fout tout en l'air, ça c'est génial. Ça c'est le top. Allez, je vais monter. Bien tout ça, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse sinon à part ça? Attendez. Merde, je me suis fait défoncer tout seul. Quel con. Allez, je vais tous se tuer au pire comme ça. Allez, d'accord. Allez, ok, on va jouer comme ça, les mecs. On va se jouer bourrin, alors. On va se jouer bourrin. Attendez. Tranquille, tranquille. Salut. Putain, je me trompe de cible. Putain, bordel. Reste tranquille. D'accord. Il est où? En fait, faut faire quoi avec ça? Attendez. En fait, faut faire quoi avec ça? J'ai pas compris. Câble coupé. Ah! Non. Ça. Comment on fait pour le couper? Ah d'accord, faut le casser. Ok. Fallait me le dire. Ah d'accord, j'ai compris. Ça y est, maintenant j'ai compris l'objectif du truc. Alors attendez, est-ce que je vais faire par contre? Ça vaut peut-être cher. Du coup je suis con, j'aurais pu mieux me servir de l'éléphant, c'est vrai. Bon de toute façon là la mission est vraiment pas dure du tout du moment où faut y aller en mode bourrin. On peut casser ça. Ça m'embête beaucoup. Bref, c'est pas grave, de toute façon je casse tout. Allez. Casse tout. J'y ai bientôt. Voilà, Foufou John, c'est pas combien de coups de pied. Mais c'est pas grave. Ah. Attendez, il y a des gens ici là. Salut.
Bonjour. Ça roule. Allez, tranquille. Oh, mission très très facile. Hein. S'il y a que ça à faire dans cette mission, franchement, c'est limite offert, quoi. J'avais pas compris au début ce qu'il fallait faire, mais bon, quand t'as compris qu'il fallait casser des trucs... Alors, en fait, je vous explique un truc. C'est vrai que quand on est en let's play en vidéo, on n'écoute pas forcément tout ce qui existe dans le jeu, vu qu'on est occupé à commenter. Ouais, donc c'est pas évident, les amis, de comprendre à chaque fois ce qu'il faut faire. Faut aussi que vous mettiez à notre place. Je pense que j'aurais trouvé très vite, bah, si j'étais vraiment tout seul, si je commentais pas et tout. Attendez, il y a un truc qui est marqué là. Attendez, lire. Alors, je vais pas le lire, mais c'est juste pour le prendre, quoi. Histoire de dire, voilà, j'ai récupéré le papier, quoi. Allez, casse tout. Et voilà. Attention. Le câble est coupé. Détruisez la cheminée. Ok, maintenant on monte. Je suppose. Je pense bien supposer. On devrait pouvoir la faire tomber, peut-être. Alors. Là, faut que je fasse tomber, peut-être, là. Attendez. Juste en la frappant? Non. Sérieux? Juste en la frappant? Ah oui, c'est ça, d'accord. Wow! Wow, wow, wow! Oh, les vibrations! Ah, joli! Quoi? 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 Attendez. Parce que je suis allé dans la zone où le truc est tombé? Ça doit être ça? Vous êtes sérieux? C'est le dernier câble. Vous êtes sérieux là? Ah, et puis en plus, du coup, ils sont. Il y a des méchants qui sont revenus, mais c'est pas possible. Elle meurt tranquille, toi, laisse-moi, hein. Je m'en vais de la zone du coup là. Je sors de la zone. Ça y est. Maintenant entre et fais tout sauter. On reste dehors pour flinguer tous ces connards. Allez. Je sais pas où je suis rentré. Pas où je suis rentré. Mais c'est pas grave. Je sais toujours pas où je suis. Ah, c'est compliqué. Compliqué des fois, on sait pas vraiment où on est dans ce truc. Ah! Attention! Ah, laissez-moi tranquille, bon Dieu! Bande de rats! Allez, on pose le premier. Allez, ouvre-moi la pièce. C'est ce qu'on dit, ça. Je crois qu'il y a des trucs à récupérer de partout, en fait. Allez, deuxième est posé. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on avait une mission infiltration juste avant, et là maintenant on a une mission bien action. Le genre de truc qui fait bien plaisir. Et le troisième. Quitter le laboratoire. Ouais, j'y vais. Faut le quitter par là-bas du coup. Je suis un petit peu ce que m'indique le jeu, évidemment. Et voilà. Éloignez-vous à distance raisonnable. Je m'en vais. C'est quoi qu'ils appellent à distance raisonnable? Voilà. Magnifique. J'ai adoré. Mission terminée, chimie élémentaire. Bon, j'ai juste pas compris comment je suis mort à un moment, mais c'est pas grave. On nous empoisonnait, mais tu as compris la vision de Kira pour son peuple. Nous avons une chance de redevenir purs et unis avec la Terre. Les traditions vont revenir grâce à toi, fils de Mohan. La démarche de cet homme masqué me dit quelque chose. Mais de rien, mais de rien. Et donc voilà les amis, deuxième mission réussie.
voyons voir, on aura encore, encore une fois une mission du Santé Dior là. Du Santé Dior. On n'est pas là pour le parfum, les amis. Donc on aura encore une mission, oui, du Santé Dior la prochaine fois. Regardons un petit peu au niveau des compétences. Est-ce qu'on peut se prendre quelque chose d'intéressant? Coup 1. Alors il me semble qu'on pouvait rien se prendre. Ouais, j'aurais essayé au moins. Enchaînement, je peux pas non plus. Et par contre, on a 4, donc on peut se prendre celui-là. Allez. Chirurgie improvisée. Ah d'accord. Donc pour l'instant, je peux rien me prendre. Donc, regardons au niveau de la progression. 16 missions sur 32. Et bah tranquillement, voilà. On avance. Maintenant, on est, les amis, à la moitié du jeu. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Je vous dis vraiment, portez-vous bien. C'était assez, assez varié parce qu'au final, on a eu vraiment une mission plus basée sur l'infiltration. Et ensuite, on a eu une deuxième mission beaucoup plus bourrin. Et ça, ça fait plaisir. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. J'espère que vous aurez apprécié. Je vous dis portez-vous bien, les amis. Vive les jeux vidéo. Et à la prochaine. Salut tout le monde.